Tais-moi. C'est notre emmerdeur. Ouais, ma gueule. OCB, ma gueule. Original Cash Burn, Coco. Et moi, celui que tu prenais pour une blague, hein. Dis cap qui aura le dernier smile, hein. Le même qui file 5 piges plein à Berlin. Tu ne pas, mon pote, t'es bien chaud, hein. Ce que j'ai fait te semble incroyable. Ce qui fait de moi, original, inoubliable. D'où j'arrive, c'est inévitable. Ouais, ma gueule. Et moi, le give a fuck, pour moi, de lendemain. Ouais, Coco, la broche à rouler sa bosse, ça coûte pas pain de crosse et de crasse. Et c'est pas un plus, mais le seul qui ose mettre un grand coup de latte dans sa. Salut les gars, c'est Bandito, j'espère que vous allez bien. Alors les gars, aujourd'hui on se retrouve pour un gros carnage. Un bon petit 144 pour 3 en solo, comme d'habitude, accompagné de ma MP7. Présentation de la petite classe aujourd'hui, vite fait. Fantôme, Détermination, Pillard et Ingénieur. MP7, poignée avant, silencieux. Voilà, une bonne classe pour la GT, une classe qui s'adapte un petit peu sur toutes les marques. Voilà, donc aujourd'hui les gars, ben, comme vous l'avez vu dans la vidéo précédente, j'ai pris une petite semaine de vacances, ça m'a fait super du bien, j'ai même bronzé et tout, voilà, fait. J'ai même perdu du poids tellement j'ai forcé comme un enculé pour faire le déménagement et pour faire les travaux. En tout cas, ça m'a fait super du bien les gars, vous pouvez même pas imaginer, voilà, fait, voilà, j'ai intégré ma nouvelle maison avec ma petite famille et tout, ça va super. J'ai eu le temps de bien avancer cette semaine, ben, je vous avoue les gars, franchement ça m'a manqué de faire des vidéos quand même. Parce que ce qui manque c'est le petit truc là. Vous voyez les commentaires que vous laissez, même tout le stress de faire, de préparer une vidéo, de faire la vignette, de dire est-ce que la vignette va attirer les gens, est-ce que mon commentaire va vous attirer, va vous donner envie de regarder la vidéo jusqu'à la fin, ainsi que le gameplay. Est-ce que je vais, parlant du gameplay, là je vous ai concocté ben, ce gameplay là. C'est un gameplay assez agressif de ma part, c'est-à-dire du rush à la MP7 totale. Ben voilà, pas de camp, pas de temporisation, ça y va. Ouais, un petit peu de temporisation au niveau de quand il y a des micro-stations, bien évidemment, pour continuer la série. Mais c'est un gameplay assez agressif, je fais d'une spawn à l'autre. Voilà, j'espère que vous aimerez ce gameplay, franchement c'est un gros carnage. Il n'y aura pas de nucléaire dans ce gameplay, voilà, parce que je fais un fail à 20 je crois, je meurs à 20 juste avant la mi-temps. Voilà, enfin bref. Sinon, à part ça, les gars, je suis super content. On a été presque au 1000 gemmes sur ma vidéo, bah, ma 100e vidéo, mon sound de ratio sur Turbine. Voilà, je suis super content. Et aujourd'hui, je voulais vous parler d'un petit sujet, bah, de plusieurs petits sujets en fait, c'est un petit peu tout. Je vais essayer déjà de vous faire un top 5 mercredi, je suis pas sûr. Au pire, si je fais pas le top 5 mercredi, je vous ferai une vidéo samedi. Après, je reprendrai parce que là, j'ai encore pas mal de choses à finir, on verra. Bref, si j'ai le temps, je vous le fais. Sinon, d'autres petites choses, ben, je voulais déjà dire bonnes vacances à ceux qui sont déjà en vacances, les gars. Profitez bien à la plage, sortez un peu, lâchez un peu la PlayStation. Geekez le soir, à la rigueur, mais la journée, allez à la plage, draguez les filles un peu. Voilà, il faut sortir, il faut s'amuser avec ses potes. Voilà, donc je voulais déjà, ben, je sais pas en fait s'il y a eu les examens ou pas, je suis pas trop courant, vous savez, je suis pas trop de ce truc là, en plus j'ai pas la tête à ça en ce moment. Mais en tout cas, je souhaite bonne chance à ceux qui passent les examens, ceux qui les ont eu, ceux qui les ont réussi. Ben, GG à vous les gars, j'ai vu un petit peu sur Facebook en regardant sur le mur de mes abonnés, il y a pas mal qui ont redoublé, qui ont eu des problèmes à l'école. C'est pas grave les gars, remotivez-vous, si ça fait rien, c'est pas grave, on peut doubler, on peut redoubler une classe, c'est pas bien grave. C'est au contraire, c'est pour repartir meilleur. Enfin, voilà, bref, c'était pour vous donner un petit mot d'encouragement pour ceux qui redoublent et qui sont un peu dégoûtés. J'ai vu ça sur Facebook, il y en a pas mal qui sont un peu tech. Franchement, c'est bien parce que t'es un peu plus grand dans la classe et voilà, tranquille. Franchement, il n'y a pas d'onde, c'est le top. Franchement, tu te balades tranquille dans la deuxième année et tout, c'est le feu. Il y a vraiment de nos stress, c'est pas grave. Vous pressez pas de sortir de l'école, les gars. Après, vous allez faire comme moi, gagner des salaires à 1100€ là quand vous allez travailler, comme un smicard de merde. Non, faites des diplômes, passez vos examens, ayez des bacs, des machins, ce que tu veux, des bacs plus des valises, tout ce que tu veux. Et au moins les gars, ça vous motivera, ça vous trouvera du bon boulot, un bon petit taf, tranquille. Donc voilà, pas de stress pour ceux qui ont redoublé, encore GG à ceux qui ont leur examen ou qui ont passé de leur classe. Voilà, donc profitez, c'est bien, c'est l'été, on va dire c'est l'été, ouais, ça commence chez moi, ça y est, les grosses chaleurs sont arrivées, d'ailleurs, ouais, je suis tout rouge. Donc les gars, profitez bien cet été, décontractez-vous, sortez, bringuez, geekez comme des porcs jusqu'à 4h du matin, voilà, enfin bref. À part ça, ben, l'évolution de ma chaîne, je suis content. Je voulais vous parler d'un petit sujet assez, que en général n'est pas très bien interprété par plein de personnes, nos abonnés qui prennent un peu mal, moi je voulais en parler. C'est au niveau des gemmes.
Je voulais tout simplement savoir en fait si tout le monde sait, enfin, comment dire, j'ai à peu près en moyenne entre 4 et 5 000 vues par vidéo. Honnêtement, quand je vois que j'ai en moyenne entre 600 et 800 j'aime sur 5 000 vues, bah, je me demande en fait, est-ce que c'est pourquoi vous likez pas les autres vues? Je parle pas ceux qui likent tout le temps, là. Enfin, ceux-là, je leur dirais parce que c'est mes abonnés fidèles et tout. Alors, je voulais savoir en fait, quel type, est-ce qu'il y a un autre type de viewer en fait de mes vidéos qui juste regarde mes vidéos mais qui like pas? Pourquoi, je sais pas. Ou si, est-ce que vous savez que liker, c'est commenter plus le like, c'est pas que le commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, bien sûr, les gars, tout à fait. Mais je me dis quand même, faire entre 4 et 5 000 vues pour 600 likes, c'est pas terrible, mais c'est bien. Mais je me dis, merde, pourquoi pas, putain, moi quand je regarde les vidéos des autres, moi quand je regarde une vidéo d'une personne que j'aime bien, bah, honnêtement, c'est systématique, c'est clair que je clique directement. Alors vous allez me poser la question, ou vous allez vous poser la question peut-être en me disant, bah, dis-donc, pourquoi tu veux des likes? Alors pourquoi je veux des likes? Bah, c'est tout simple. Parce qu'on se fait chier, on se lève un cul comme ça à faire des belles vidéos, des beaux gameplays, c'est des heures de jeu qu'on passe. Je le répète, des montages, des vignettes, des cidés là, du temps qu'on passe pas avec sa famille ou qu'on passe pas avec ses amis dehors. Donc on est là pour vous, pour faire plaisir. La moindre des choses, c'est, je pense, de mettre un petit j'aime pour faire plaisir à celui qui fait les vidéos. Je ne parle pas forcément de moi, même sur les youtubeurs, quand vous regardez leurs vidéos, ça coûte rien. Un petit clic, et ça fait un heureux derrière la caméra, quoi. Enfin, et aussi, bien évidemment, pourquoi? Parce que quand vous likez une vidéo, ça apparaît dans le flux, et les personnes qui sont abonnées à vos chaînes ou vos amis, c'est comme le partage sur Facebook, le partage de fichiers. Quand je mets un lien sur Facebook, je sais qu'il y a 2-3 personnes souvent qui partagent mon lien. Ben, voilà, c'est super sympa, c'est un truc gratuit, ça prend 2 secondes, mais ça m'amène un nouveau public, c'est-à-dire, comment dire, ça fait de la publicité. Tout simplement, quand vous likez, ça apparaît dans les flux des personnes, donc forcément les gens voient ma vidéo, il y en a un autre qui voit dans le flux, il va aller liker, ainsi de suite. Sur Facebook, pareil, ça partage les vidéos, ça met des j'aime sur la publication. Ça, c'est pareil, j'ai souvent... il y a pas mal de gens qui mettent des pouces verts sur mes publications sur Facebook, et ben ça aide aussi. Ou les personnes qui retweetent sur Twitter, c'est vraiment quelque chose, moi je trouve, de primordial. Enfin bref, c'est pour la survie de ma chaîne, parce que je suis toujours aussi motivé, les gars. Il y a la patate, il y a tout ce qu'on veut, les gameplays sont là, le commentaire il est là. Mais je vous avoue que j'ai l'impression de stagner un tout petit peu en ce moment. Et voilà, un petit coup de boost, ça ferait plaisir. C'est la question que je me pose, c'est est-ce que vous faites pas esprit de liker? Ou c'est que vous oubliez? C'est quoi en fait? C'est que vous voulez pas liker? C'est ça que j'aimerais savoir. Parce que voilà, moi j'aimerais, je dis pas faire 5 000 likes pour 5 000 vues. Mais quand même, je pense qu'avec 16 000 abonnés, faire 1 000 vues minimum par vidéo, 1 000 likes pardon par vidéo, c'est quand même minimum. Ça veut dire ça fait pas beaucoup sur 16, ça fait un ratio de 16. Non, enfin, une connerie. Mais bon bref, vous avez compris ce que je veux dire. Voilà, donc j'espère aujourd'hui ce petit message de... vous allez dire la vidéo pas spéciale, le commentaire. Mais j'avais envie de vous en parler, ça fait partie du jeu. Des fois de dire, vous dans les commentaires, vous me dites souvent ce qui va pas, ce qui va. Moi aujourd'hui ça va super bien pour moi, pour ma chaîne aussi, nickel. Alors aujourd'hui j'essaie de vous rebooster un petit peu. Et marquez-moi dans les commentaires pourquoi ceux qui regardent des fois ne likent pas. C'est très important, marquez-moi si vous oubliez. Si vous savez pas comment faire, parce que c'est tout simple, il y a juste à mettre un like sur le pouce bleu là, en dessous. Si après vous pouvez participer au partage de mes vidéos, ça me ferait super plaisir. Et voilà, c'est une question que ma chaîne évolue. C'est pour mon propre bien à moi et ma propre satisfaction à moi. En tout cas, les gars, cette vidéo va bientôt se terminer sur un score de 144 pour 3. Ouais, c'est ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Bon, n'hésitez pas à liker comme d'hab. Passez un bon été, passez une bonne semaine à tous, un bon week-end. Il va faire beau ce week-end normalement. Bonne chance encore à ceux qui n'ont pas passé leurs examens, qui vont bientôt passer. Une petite dédicace à Rico, mon ami. Il va y comprendre pourquoi. Bonne chance à toi pour l'examen, mon pote. 144 pour 3, la partie s'achève. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Je vous kiffe, les gars. N'oubliez pas de passer voir les vidéos précédentes. Je vous kiffe.
Et je vous dis soit mercredi ou soit samedi, mais je vais essayer d'être là mercredi. Et sur ce, je vous dis passez un bon week-end à tous. Et ciao les gars!